Les mécanismes de financement des énergies renouvelables sont nombreux. Le plus répandu reste le financement participatif. Il s'agit de prêts rémunérés avec des intérêts définis au préalable. Il y a aussi le tiers financement donné par une structure tierce et qui se rembourse sur les économies réalisées suite à un investissement vert. Enfin, il y a les obligations vertes ou green bonds qui ont pour objectif de financer des projets à bénéfice environnemental, accélérant de fait la transition énergétique et écologique. Au sein de l'Union européenne, par exemple, les États membres peuvent participer au financement d'installations d'énergie renouvelable situées dans d'autres pays européens pour atteindre leurs objectifs nationaux. Au Maroc, la Société d'investissement énergétique a pour objectif essentiel d'accompagner le Plan national de développement des énergies renouvelables à haute qualité environnementale à travers la contribution en tant qu'investisseur au développement du programme éolien intégré de 1000 MW en partenariat avec l'ONE. L'investissement dans les projets éoliens de promoteurs privés, l'accompagnement de la réalisation du plan solaire marocain de 2000 MW en partenariat avec Mazen, et enfin l'investissement dans des projets d'efficacité énergétique et le soutien à l'action de l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en tant qu'investisseur. Le gouvernement marocain, rappelons-le, a alloué une enveloppe de 2,3 milliards de dirhams au programme de promotion de l'usage de l'énergie solaire en agriculture à l'horizon 2021.